Oh, merci Seigneur pour ta grâce, béni soit ton nom. Yaka. Oh. Yaka. Ma sacrifice, yon sonna, salim. Yaka. Venez prier, venez prier, venez prier. Venez, nous allons prier, venez, nous allons prier, Père de Dieu. Venez, nous allons prier, venez, nous allons prier. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. C'est notre moment de prière aujourd'hui, peuple de Dieu. Nous allons faire quelques minutes ensemble. Venez, nous allons prier. Venez, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui ont commémoré, venez, nous allons prier. Oh, yaka, 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 oh. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, peuple de Dieu. Ça fait 4 jours que nous avons commencé à prendre un moment de jeûne. Ça fait 4 jours, peuple de Dieu, que nous sommes devant la face du Seigneur. Ça fait 4 jours, peuple de Dieu, que nous sommes en train de prier, chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler, nous voulons prier le Seigneur, afin que Dieu permette que le baptême du Saint-Esprit soit dans nos vies. Que Dieu permette que le baptême du Saint-Esprit soit dans nos vies, peuple de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont fait le baptême d'eau, mais qui n'ont pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ont médité, toutes les personnes qui ont prié avec nous, toutes les personnes qui ont cherché la face de Dieu, je voudrais demander à ces personnes-là de lever les mains là où tu es, tu lèves les mains et je vais prier pour toi. Là où tu es, tu lèves les mains et je vais prier pour toi. Pour que Dieu déverse son esprit. Dieu déverse l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Que toutes les personnes qui n'ont pas le don de parler en langue, que Dieu relâche vos langues. Que toutes les personnes qui n'ont pas le don d'interprétation, le don de discernement, qui n'ont aucun don spirituel dans leur vie, je prie qu'à partir de ce moment, que Dieu délie les dons, que Dieu déverse les dons dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, hallelujah, Papa. Oh, rasa tarababa, shokra tarababa, sakete. Je vais vous donner un petit enseignement tout à l'heure. Mandolo, brosa tarababa. Ah, oh, merci, Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu ajoute à ta vie une bénédiction. Que Dieu ajoute à ta vie une grâce. Que Dieu ajoute à ta vie une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roka satarababa shokrate kisi. Oh, hallelujah, gloire à Dieu. Hallelujah, gloire à Dieu. Hallelujah, gloire à Dieu. Hallelujah, gloire à Dieu. Vous savez, la dîme. Non, j'ai dit la dîme. Comme tout à l'heure, on a fait un débat sur la dîme. Vous savez, qu'est-ce que je voulais dire? Le baptême du Saint-Esprit est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit que tu es averti des dangers, que tu es reconnu par le ciel, que la grâce de Dieu t'accompagne partout où tu vas, parce que le Saint-Esprit est en toi. C'est très important ce que je suis en train de dire, peuple de Dieu. Il faut que vous puissiez prier et demander à Dieu de faire pleuvoir sur vous l'authenticité de son esprit. Comme l'a dit mon mentor, Raoul Afo. Et je l'ai mis sur mon site pour ceux qui ont été visiter le site. Les citations que j'ai mis en bas. J'ai mis une citation de ce monsieur. Il a dit clairement que tu ne peux pas observer une puissance
Tu ne peux pas vivre une vie de puissance si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit, Père de Dieu? C'est l'habitation du Saint-Esprit en toi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais le Saint-Esprit ne les connaît même pas. Ils ne sont même pas habités par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ces personnes-là ne font que faire des cauchemars, Comment le corps dans lequel le Saint-Esprit est, tu continues de faire des cauchemars où un chien te poursuit? C'est pas normal, peuple de Dieu, c'est pas normal. Oh, hallelujah, gloire à Dieu. Je prie que toutes les personnes qui ont connu le baptême d'eau, que le baptême du Saint-Esprit soit ton partage. C'est pourquoi je dis aux gens, allez-y sur mon site à chaque fois que je vous donne le lien. Allez-y sur ce lien, vous allez voir le programme et vous allez prier selon le programme. Attendez, je vais activer le Wi-Fi et je vais aller directement sur le site, vous allez voir. Pour que nous puissions lire ensemble ce que j'ai mis là-bas. Pour tous ceux qui n'ont pas été. Tous ceux qui n'ont pas été, je vais aller, s'il vous plaît. Je vais aller sur le site rapidement. Hein, vous allez m'excuser. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, le dimanche 19, voilà ce qu'on a mis. On a dit quoi? Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. On a dit que le premier sujet de prière, nous avons dit, c'est de prier pour la révélation de l'importance du baptême dans la vie d'un chrétien. Que Dieu te révèle l'importance du baptême dans ta vie. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé ici, je voudrais t'encourager à chercher à faire ton baptême. C'est vrai qu'il est un peu tard, il est même 21h. Donc il est presque, il est 22h passé chez vous. Mais je vois 22 personnes, 24 personnes maintenant. Les gens, je sais que je parle à quelqu'un. Je voudrais, si tu es là, que tu n'es pas baptisé. Je voudrais t'encourager à manifester ton baptême. Cherche à intégrer le baptême. Regardez les citations que j'ai mises. La première citation est la suivante. Le baptême d'eau n'est pas... Le baptême d'eau qui n'est pas suivi du Saint-Esprit n'est pas complet. Ça, c'est moi-même qui... C'est ma propre citation. Le baptême d'eau, autant plonger dans l'eau, autant... Il y a d'autres même... Ce sont des églises modernes. Donc, dans l'église moderne, hein, on fait un truc en caoutchouc et on met l'eau dedans, on plonge les gens. C'est bien, puisqu'il n'y a pas de, choses naturelles chez vous. C'est rare de trouver des marigots chez vous. C'est rare de trouver les... Tout est construit partout. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas aller contre ça. Mais tu es sûr que dans ce caoutchouc-là, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es sûr? Tu es sûr que tu vois Dieu? Depuis qu'ils t'ont baptisé là, tu es sûr que tu vois Dieu? Est-ce que tu as déjà prié puis tu as vu des signes divins? Oh, alléluia. Vous savez, même j'ai demandé à Dieu de ne plus trop me... Je ne comprends pas. Il a recommencé. Bon, c'est pourquoi j'aime pas lire les commentaires. Parce que moi-même, je ne comprends pas les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Jocelyn? Qu'est-ce que vous voulez dire, Molia? J'ai recommencé quoi? Amen. Donc, vous comprenez, c'est très important. C'est très important de chercher le baptême du Saint-Esprit. Donc, ici, la première citation sur mon site, j'ai dit, le baptême d'eau qui n'est pas suivi du baptême du Saint-Esprit n'est pas complet. C'est pas complet. Parce que spirituellement, tu n'as rien reçu spirituellement. Ils t'ont juste mouillé. Ils t'ont lavé. Ils t'ont baptisé. Le mot baptisé, là, ça veut dire baptiso. Ça veut dire plonger. Ça veut dire du mot grec baptiso. Plonger quelqu'un et ressortir la personne, c'est tout. Le vrai baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il ne pouvait pas encore chasser des démons. Il ne pouvait même pas encore opérer. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, pour qu'il apprenne au pied du Saint-Esprit. Et puis d'ailleurs, quand il a été baptisé, avant même d'aller au désert, il avait déjà reçu la colombe. La Bible dit, lorsqu'il est sorti dans l'eau là, il y a eu maintenant le baptême, l'authenticité, la consécration du Saint-Esprit. La Bible dit, la colonne, on dit le Saint-Esprit est venu sur son épaule comme une colonne. Est-ce que vous comprenez? Comme une colombe, c'est colombe, non? Comme une colombe, comme un oiseau blanc, c'est ça? Donc, et une voix s'est fait entendre depuis là-haut. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il était baptisé du Saint, il était baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Le baptême du chrétien doit être accompagné par le baptême du Saint-Esprit. Il faut que quelque chose de surnaturel se produise en toi. Oui, il faut que Dieu délie ton parler à langue. Il faut que Dieu délie
ton niveau de sensibilité spirituelle. Où tu es là, puis tu sens que telle chose ne vient pas de Dieu. Telle chose vient de Dieu. Où tu es là, puis tu sens que telle chose n'est pas inspirée par Dieu. Quelqu'un prêche, puis tu le regardes clairement, puis tu dis, lui là, il ne prêche pas sous l'inspiration. Deuxième citation, c'est toujours la citation de plus que vainqueur. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit peuvent se faire simultanément, comme séparément. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Et c'est clair, c'est juste, c'est une citation. Le baptême d'eau, ça dit pendant qu'on te plonge, qu'on t'enlève, tu es baptisé du Saint-Esprit en même temps. C'est pourquoi vous voyez dans nos baptêmes traditionnels, des gens qui crient. Dès qu'ils sortent du lot, c'est là qu'ils vont commencer à crier. Vous voyez, ça dit directement le Saint-Esprit tombe sur eux, pouf, ils sont baptisés du Saint-Esprit en même temps. Mais par contre, il y a d'autres, on les plonge, on les mouille, il n'y a pas de problème, c'est un symbole. Tout à l'heure, je vais le dire. Mais quand le symbole finit, une semaine plus tard, un mois plus tard, maintenant, par l'imposition des mains dans l'église, etc., le Saint-Esprit vient visiter la personne et la personne est baptisée du Saint-Esprit. Amen. Troisième citation, ça c'est la citation du pasteur Raoul Wafo. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne mènerez jamais une vie dans la puissance si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, le pasteur Raoul Wafo, tu ne peux pas mener une vie remplie de puissance de Dieu si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Il a précisé, ça veut dire, il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est très important. Très, très capital. Est-ce que vous me comprenez? Quatrième citation. Ça, c'est moi-même qui l'ai dit. Une personne qui n'est pas baptisée ne fait pas partie de la famille de Dieu. Une personne qui n'est pas baptisée ne fait pas partie de la famille de Dieu. Une personne qui n'est pas baptisée n'est pas inscrite. La dernière citation, c'est ma propre citation. Le baptême est un acte de volonté, de témoignage public que l'on fait, l'on décide de faire aux yeux du monde. Vous voyez, c'est-à-dire tu témoignes. Hein? C'est un acte volontaire. Un témoignage public, ça veut dire tu dis à tout le monde que à partir d'aujourd'hui j'appartiens à la famille de Dieu. Vous voyez, et même il y a d'autres même qui célèbrent le baptême. On dit c'est quelle cérémonie? On dit c'est la cérémonie du baptême. Vous comprenez? Donc voici un peu ce que je voudrais dire. Maintenant je vais prier avec vous. Je voudrais que quelqu'un parle la langue, parle la langue. Si tu es là dans cette vidéo, que tu es vraiment sérieuse, tu veux vraiment que le Saint-Esprit te visite, continue de commencer à parler la langue. Commence à parler à l'ampe de Dieu. Roka satarabo sakrita. Oraka satarababa soklantele boje grand toro brasakrata. Oh hallelujah. Roko toro brandele bose kratarababa shokrata. Mandele brosse krantarababa shokrantere bose krata. Oui, parle à l'an là où tu es. Déclare des mystères. Rokanta. Rebabababababa. Robobobo zekrete rebobobo zekram shokrantarabababa. Rankote le brosse krata. Oh, hallelujah. Brosso taraboshkenta. Lengrondolo brosso tarababa. Mandele brosse krata. Rebronte mandeshka. Oh, rakosa. Je prie que Dieu délie ta langue. Toutes les personnes qui ne parlent pas la langue, je prie que Dieu délie vos langues au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez des gens surnaturels. Que vous soyez des gens qui font peur dans le monde spirituel. Que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, orientés par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit. Tout ce que vous feriez, que cela soit inspiré du Saint-Esprit. Oh, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, Rako Sataraba Shakrata. Riko Soturo Brondele Boshekrata. Oh, Seigneur, mon âme te bénit parce que tu nous avais promis de nous envoyer ton esprit. Tu nous avais promis de nous envoyer ton esprit. Tu nous avais dit que tu n'allais pas nous laisser orphelins et que tu allais nous envoyer ton esprit. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit dans la vie de toute personne qui regardera cette vidéo. Oh Seigneur, il est tard, c'est vrai. Mais nous sommes là en train de prier. Nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons te voir. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous dans nos songes. Révèle-toi à nous, Seigneur Dieu de gloire.
bats-nous au travers de n'importe quel moyen que tu pourras utiliser. Mais nous voulons te voir. Nous voulons sentir quelque chose de surnaturel dans notre marche chrétienne. Nous refusons d'être des profanes. Nous refusons d'être des personnes qui marchent selon la chair. Non, non, non. Nous voulons marcher selon l'esprit. Inspiré partout. Inspiré en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rakasatarababashokatarababa. Rekontarabosa grantarabababa shokatereba de le brun de le ba. Oh, alléluia. Rakante le bose grantarabababa shokrante. Oh, rakantarabaje grantereba shokratan. Oh, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, je veux être un homme surnaturel. Un homme surnaturel. Un homme surnaturel, poussé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, orienté par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je prie que Saint-Esprit de Dieu, que tu demeures à moi, tu demeures dans la vie de chaque personne dans cette conférence avec moi. Oh, rakosa tarabashekata. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, j'aimerais dire à tous ceux qui ont jeûné aujourd'hui avec moi, tous ceux qui ont pris le moment de jeûne dans nos 21 jours, aujourd'hui est le 4e jour. Si vous êtes là, signalez-vous, je vais prier pour vous. Je parle seulement de ceux qui ont commémoré le moment de jeûne. Ceux qui ont pris le moment de jeûne aujourd'hui, le 4e jour. S'il y a une personne parmi vous qui a fait le jeûne, signalez-vous et moi je vais prier pour vous. Donc je prie pour Madame Kedi. Seigneur, j'ai béni Madame Marlène Kedi. Je prie pour sa vie. Je prie pour sa vie spirituelle. Père, tu as dit que tu vas au ciel, que tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu as dit que tu allais nous envoyer le Consolateur. Oui, le Consolateur, le Saint-Esprit. Je prie que Seigneur, que tu te saisisses de sa vie. Que tu diriges tout ce qui concerne sa vie au nom de Jésus-Christ. Je vais prier encore pour Maman Chris Manin parce qu'elle a gêné aussi. Seigneur, je te confie Maman Chris Manin. Seigneur, tu la connais mieux que quiconque. Tu la connais mieux que moi. Tu la connais mieux qu'elle-même. Tu connais ses faiblesses dans le côté spirituel. Je prie que tu te saisisses d'elle par ton esprit. Seigneur Dieu de gloire, je prie qu'au travers elle, toutes ses filles soient électrocutées spirituellement. Qu'elle soit une source d'inspiration, une source d'éclairage dans sa famille, dans sa nation et dans sa génération, dans sa maison. Au travers elle, je prie pour sa maman. Je prie pour ses enfants. Parce que toute la famille a gêné, selon ce que j'ai compris. Merci de bénir sa vie. Merci de bénir sa vie, de bénir sa famille. Merci de bénir sa famille au nom de Jésus. Seigneur, je vais te prier encore pour Madame Awa Hassan. Elle aussi qui a pris le moment depuis la Belgique. Je te bénis pour sa vie. Seigneur, je te prie que tu te révèles à elle. Je te prie que tu lui fasses du bien. Que ton esprit ne la lâche plus jamais, Seigneur. Que ton esprit ne la lâche plus jamais, Seigneur. Qu'elle soit dirigée, orientée par ton esprit. Qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Roka satara branda la bouche, chrétien. Merci Seigneur de bénir toutes les personnes qui ont peut-être commémoré, mais actuellement qui sont en train de dormir parce qu'il est tard, il est 22h. Ces personnes qui sont en train de dormir et qui n'ont pas pu participer parce que je suis venu tard sur la page à cause du débat. Pendant que les personnes dorment, je prie que tu te révèles à ces personnes. Oui, je prie que tu te révèles à ces personnes. Que tu bénisses ces personnes par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, je vais prier encore pour Madame Prunelle de Dieu. Tu connais ta servante. Tu connais l'amour qu'elle manifeste pour toi.
Tu connais les sacrifices, les efforts qu'elle fait pour toi. Je prie que, Seigneur, ce moment de jeûne soit pour elle une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est dimanche, quelqu'un pouvait dire, moi je vais manger. Mais n'a pas mangé, Seigneur. Je prie que ton esprit ne la lâche plus jamais. Seigneur, je sais qu'elle est baptisée d'eau. Mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'elle est baptisée du Saint-Esprit. Mais je prie pour que cela soit son partage au nom de Jésus. Je prie aussi pour Madame Nina. Nina, je confie la destinée de Madame Nina en tes mains. Je prie que, Seigneur, que le Saint-Esprit en elle favorise sa vie. Parce qu'elle est baptisée du Saint-Esprit, elle reçoit les choses de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elle est baptisée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se saisit de maman prunelle de Dieu et de toutes les personnes qui ont gêné. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire te soit rendue. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. J'avais dit 20 minutes. Ça fait 21 minutes. Donc on va s'arrêter là. Alors, merci à toutes les personnes qui ont participé. C'est vrai qu'il est tard. Il est tard. Oui, il est tard. Et je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés chez vous. Et demain, tout à l'heure, je vais mettre le lien. Je vais rédiger le plan de demain. Cinquième jour. Je vais mettre le lien tout à l'heure sur ma page. Demain matin, si vous vous réveillez, faites un tour sur ma page. Cliquez sur le lien et les sujets de prière que je mets là. Les sujets de prière que je mets, c'est en fonction de ces sujets-là que vous priez dans la journée. Vous comprenez? Voilà. Donc demain, si dès que je coupe, si vous pouvez attendre au moins 5 minutes, 10 minutes pour que je puisse rédiger rapidement, je vais rédiger et mettre, vous allez voir, ou bien s'il est déjà tard chez vous, que vous avez sommeil, demain matin, faites un tour et regardez. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Par exemple, le lien d'hier, hier, il y a plus de 500 personnes qui sont allées sur le site. Parce que quand quelqu'un visite ton site, on dit une personne a visité, deux personnes a visité. Il y a eu 500 personnes qui sont allées sur le site hier. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore regardé les statistiques. Donc, voilà, je vois que les gens vont pour visiter, pour lire. Quand vous lisez, priez avec ça. Voilà, ok. Donc, demain, je vais rédiger. Pour ma fille Sadiaz, je vais t'envoyer vocal tout à l'heure en inbox. Quand je vais finir de rédiger avant de dormir, je vais t'envoyer vocal, ma fille Sadiaz, comme ça, tu seras aussi informé du thème de demain et des chapitres qu'il faut lire pour demain. À vous tous, que Dieu vous bénisse. Et voilà, bon, je vois 23 personnes, c'est pas grave, il est très tard, hein, donc là, il n'y a pas de problème. Merci à tous ceux qui ont prié avec nous, et puis bon, allez, portez-vous bien. Moi, je vous laisse. Et on a demain soir, par la grâce de Dieu. Voilà, en tout cas, je vous aime beaucoup, et voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Voilà, il n'y a pas plus grand cadeau que d'assister quelqu'un, que d'aider quelqu'un, que de pousser quelqu'un, que de prêcher à quelqu'un, que de favoriser le côté spirituel de la vie d'une personne. C'est ce que je me suis attelé à faire, parce que c'est à ça que Dieu m'a appelé. Amen. Alors, merci à ma fille Sadiaz, merci à maman Chris, merci à Emma Gueux, merci à Nicodème Zappa. Ah, c'est un grand homme, ce monsieur. Merci à maman Marlène Kedi. Merci à maman Mireille Bayeto. Merci à tous ceux qui ont été là. Voilà, je n'ai pas cité tout le monde. Que la grâce, la faveur de Dieu soit surtout sur votre vie. Madame Thérèse, restez bénie aussi. Mazangue, restez bénie. Vous tous, je prie que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. À quelle heure demain? C'est à la même heure d'habitude. Hein? 19h de Côte d'Ivoire, 20h de Paris. Voilà. Madame Rose, restez bénie. Madame Félicité, restez bénie. Voilà. Donc, tout le monde, restez bénie. Vraiment, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Mireille, restez bénie. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je voudrais prier pour la fin. Monsieur Pierre, lui, restez bénie. Voilà. Pierre, lui, il a jeûné. Pierre, lui. Je pense que Monsieur Pierre, lui, a jeûné. Parce qu'il y a eu 33 personnes qui ont jeûné aujourd'hui. Voilà. Toutes les personnes qui m'ont signalé, ça fait 33 personnes. Monsieur Antoine Gary, restez béni, mon frère. Ok, donc, Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour ce peuple de Dieu.
Je prie que Seigneur, que demain, ça soit une semaine qui commence, mais une semaine chargée spirituellement. Je prie que ces personnes qui ont pris l'engagement de tenir ces 21 jours, que ces personnes continuent, Seigneur. Donne-leur la force de continuer au nom de Jésus. Donne-leur la force d'expérimenter et de croiser ta présence au cours de ce jeûne, au nom de Jésus-Christ. Bénis la vie de plusieurs. Révèle la vie de plusieurs. Parle à plusieurs personnes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la vie de tous les abonnés de ma chaîne YouTube, de tous les abonnés de ma page Facebook et de toutes les personnes qui visitent notre site internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.